Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bonjour. Vous qui nous suivrez en rediffusion à Lubumbashi, à Kolwezi et ailleurs, nous vous disons également bonsoir. Il est courant de dire que le jour où le Congo prendra la vitesse de croisière, c'est toute l'Afrique qu'il traînera derrière. Alors, nous avons toujours, au cours de nombreuses émissions, évoqué les faiblesses qui sont les nôtres. Aujourd'hui, nous allons un petit peu, le temps d'une émission, oublier toutes ces faiblesses et nous poser la question de savoir ce que nous devons faire pour que véritablement ce pays se mette debout. Alors, pour animer cette émission, mes invités sont Monsieur Simon Bosso, bonsoir et bonjour. Bonjour et bonsoir, Monsieur Kibambi. Alors, deuxième personne, je passe à ma gauche, Monsieur Modeste Mbonigaba, bonsoir et bonjour. Bonsoir et bonjour, Monsieur Kibambi. Monsieur Ashimba Mobimba, ou Mobimba Ashimba, le prénom c'est quoi? C'est Mbimba Ashimba. Autant pour moi. Le prénom Mobimba. c'est Miembe. Non, épargnez-moi. Mbimba Ashimba. Et enfin, Maître Justin Magali. Magala. Mais qu'est-ce qui se passe? Il a des fétiches, celui-là. Pour que j'oublie chaque fois son nom. J'aurais voulu, si j'avais le droit, qu'on vous appelât Magali, c'est plus sympa. Enfin, un homme, c'est Magala. Je reconnais, messieurs, que la question est un peu compliquée. Comment l'aborder? Chacun saura comment y arriver. Parce que si je vous ai invité, c'est parce que je connais vos capacités. Et je vais commencer par Mubimba Ashimba, volontairement, pour que vous puissiez nous dire en un mot, sans rappeler quoi que ce soit, par quoi il faut commencer pour relever ce pays. Par ne plus jamais maudire. Par ne plus jamais le maudire. Parce que Bokawaneko, commençons d'abord par être positifs par rapport à notre pays. Ashimba. Kimambi, je crois que nous l'avons souvent dit ici, plusieurs fois, ça fait déjà une quinzaine d'années, que il y a une révolution qui avait été opérée dans ces pays. La révolution de l'authenticité, mais qui avait avorté. Et à la base du travail de De Mavi ça, Kakalanda, oui. la remise en question base de la décolonisation mentale. Donc, il y avait quelque chose qu'on avait commencé, mais qui a échoué. Il a échoué par notre faute, et la faute peut-être, bon, on ne peut pas toujours parler de l'extérieur, mais il y a une responsabilité que nous devons reconnaître. Aujourd'hui, donc, nous devons relancer. Nous devons relancer parce que le problème ici est d'ordre culturel en particulier. Donc, notre culture pour savoir quelle est notre propre valeur, parce que nous doutons de nos propres valeurs. Quelles sont nos valeurs sur lesquelles nous devons être assis et avoir de racines et être debout. Nous devons chercher par où nous sommes tombés. Il y a trop de problèmes. Par où nous sommes, la société est tombée trop bas. Où est-ce qu'on est tombé? Et nous rentrons là et nous reprenons l'élan pour aller de l'avant. Et c'est possible de le faire. C'est très difficile, mais c'est possible de le faire. Merci, monsieur Moubimba Chimba, monsieur Simon Bosso, il est grand économiste devant l'éternel. Lui va peut-être aborder sur ce plan. Libre à vous. Bien, merci, cher Kibambi. Vous avez abordé cette problématique sur l'approche positive. Nous sommes là pour positiver. Qu'est-ce que nous devons faire pour que ça marche, pour qu'on soit debout?
Et moi, j'abordais la question en voyant ce que ceux qui ont réussi ont fait. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ceux qui ont réussi? Ceux qui étaient au même stade que nous en 60. Ceux qui n'ont même pas les ressources que nous avons. Mais qu'est-ce qu'ils ont qui leur ont permis de réussir? C'est le leadership. C'est le leadership. Vous voyez, tous les pays qui ont réussi, qui étaient au même niveau que nous, nous parlons ici de la Corée du Sud, on parle de pays comme le Canada. Et dans les leaderships, nous avons la vision, nous avons les valeurs, nous avons les motivations et nous avons tout le vouloir, le croire et la passion. Et c'est que on doit vouloir ce qu'on veut, devenir, croire, avoir la foi en cela. Et aimer, être passionné, c'est le chemin que nous devons suivre pour arriver là, à la terre promise à laquelle nous aspirons depuis 60 ans. Merci, M. Mousseau. Alors, comment il s'appelle encore Maître Mangala? Bon, tout en étant d'accord avec ce que vient de dire mon aîné, je crois aussi que... Il y a deux aînés qui viennent de parler. Hein. Ah oui, l'aîné le plus direct. je crois qu'un grand chantier nous attend quand même, c'est le chantier de l'homme lui-même. D'abord, c'est-à-dire sur le plan de son être, de son instruction, de sa culture, de sa spiritualité. On doit vraiment avoir un homme nouveau. Pourquoi? C'est-à-dire nous devons commencer à travailler sur l'homme pour inculquer les valeurs qui doivent être les siennes par rapport au développement du pays. C'est-à-dire que aujourd'hui nous devons avoir des hommes qui ont la compétence sans courir cet acharnement des diplômes creux, qui sont compétents dans ce qu'ils font, simplement par la connaissance qu'ils ont de l'objectif à atteindre sur le plan local même, et leur inculquer ces valeurs de travail. C'est-à-dire, même quand on a échoué, une fois, deux fois, on se relève, on continue à travailler. Des hommes qui rêvent grand, on ne peut rien atteindre sans un rêve de grandeur. De grandeur. Il faut avoir ces hommes-là. Je me rappelle d'une enquête qu'il y a eu en Andalousie, on demandait aux jeunes universitaires qu'est-ce qu'ils voulaient être. Et 75% voulaient être fonctionnaires, chercheurs d'emploi. On pose la même question aux États-Unis, 75% veulent être entrepreneurs. Mais avec 75% de candidats fonctionnaires, on ne développe pas un pays. Il faut des valeurs comme ça où des jeunes gens peuvent se dire, on se met ensemble, on a une idée, voilà, on la poursuit, on la développe, on crée des micros, des PME dans des petits secteurs. Et avec ça, on peut booster le pays en créant des petites autonomies qui vont nous amener à une autonomie intégrée. Voilà un peu l'idée que... Oui, mais le Congolais, je vous repose juste une petite question, c'est même pas une question d'ailleurs, mais notre défaut, c'est que tout le monde veut diriger, tout le monde veut être PDG, tout le monde... C'est un point sur lequel il faudrait que nous puissions revenir. Monsieur Modeste Bonigabo. Oui, merci. Je crois que tout a été dit parce que le leadership, effectivement, Kofi Annan l'a encore rappelé, il dit l'Afrique se meurt par la faute de ses dirigeants. C'est que on a un leadership au niveau africain en général et au niveau de nos États de façon particulière qui n'est pas à la hauteur des ambitions qu'on devrait avoir. Mais une fois qu'on a constaté cela, il faut qu'on se demande, mais pourquoi nous on a ce genre de leadership? Parce que comme l'a dit notre ami Simon, en 60 on était au même niveau que la Corée du Sud, le Canada, etc. Pourquoi nous on a continué à patauger pendant que eux progressaient? Parce que eux, déjà au moment d'accéder à l'indépendance, le leadership qu'il fallait était déjà en place. Donc ils n'ont pas eu à chercher, mais qui va faire ça ou quoi? Non, tout le monde savait ce qu'il fallait faire. Et donc,
se sont retrouvés peut-être aussi avec un peuple qui avait cette mentalité de développement. Parce qu'il faut aussi ça. C'est pour ça que l'homme qu'il faut changer, il faut le transformer, qu'il devienne cet homme-là qui a cette mentalité de développement. Ce que d'autres appellent la mentalité pharaonique. C'est-à-dire entrepreneur, bâtisseur et conquérant. Parce qu'il faut avoir cette passion. Si vous n'avez pas encore ce peuple-là qui a cette mentalité pour aller de l'avant, et ce peuple ne va pas sécréter un leadership justement approprié. Il faut que ce peuple que vous avez acquiert cette mentalité exigeante pour qu'elle s'impose ou qu'elle impose un leadership à la hauteur des attentes. Oui, bon, je reviens un peu à ce que disait mon ami Achimba. Mais un pays comme le nôtre, pourrait-on le comparer à l'époque au Canada ou à la Corée du Sud? Est-ce que ceux qui le connaissaient le mieux ne nous avaient-ils pas mis des bâtons dans les roues pour que ce leadership ne puisse pas être secrété, Monsieur Mbosso? Bien. Je prendrai même un exemple peut-être beaucoup plus visible pour les Congolais, la Chine. La Chine était beaucoup plus pauvre que le Congo en 60. Et la Chine a été transformée par des leaders. Il y a eu Mao Zedong, il y a eu Deng Xiaoping. Mao, c'était le leadership autoritaire. Dans un pays très pauvre, où il fallait pousser les gens au travail. Et quand le pays avait avancé suffisamment, Deng Xiaoping a fait les réformes et l'ouverture. Et ça, je crois que tout ce que nous avons dit peut se retrouver à travers le leadership. Parce que c'est le leader qui a la vision, qui voit la destination. Et la meilleure définition du leadership que moi j'ai toujours intériorisé, c'est l'art d'influencer. C'est l'art d'influencer. C'est celui qui arrive à mener les autres à suivre la direction que lui y voit avant les autres. Ce qu'a été Moïse dans la Bible. On rencontre des résistances. L'homme qu'il faut changer, comme on dit les autres, on rencontre des résistances. Vous avez vu les peuples juifs à l'époque en train de ruminer, murmurer, maudire Moïse parce qu'ils ont rencontré des difficultés dans le désert. Mais finalement, grâce à son action, grâce à sa vision, grâce à sa forte passion pour ce peuple. Et surtout, le troisième élément, c'est le prix à payer. Il faut qu'il y ait des leaders qui acceptent de payer le prix pour réaliser la vision. S'il faut même, il y en a, donner leur vie pour cela. Et là, c'est ça, je pense que sur lequel nous pouvons tous nous retrouver. On pouvait nous mettre des bâtons dans les roues, ça fait partie, les obstacles. On dit d'ailleurs, on reconnaît les vrais leaders, les grands dirigeants face aux obstacles, si tout était si facile. Je ne retourne pas en arrière, mais en 60, déjà, dans le chef de nos leaders de l'époque, il y avait confusion. Alors, de cette confusion, faire naître un leader, c'était peut-être difficile, à moins que mon ami Achimba me contredise. Oui, je pense qu'il est difficile aujourd'hui d'établir une comparaison de la situation du Congo à celle du Canada, de la Chine, de la Corée. Mais ils l'ont établi avant. Hein. Oui, je dis, il n'est pas aisé. Je dis que ce n'est pas tout à fait correct, à mon avis. Parce que les données ne sont pas les mêmes. Nous avons la situation du Congo qui a des obstacles. Un des obstacles que connaît pas le Canada, la Chine, la Corée et d'autres, c'est l'esclavagisme que nous avons connu. Et les meilleurs de notre sont partis ailleurs. Et nous avons été dispersés. Et cet esclavagisme n'existe pas maintenant simplement il y a 5 siècles. Quand on rentre au 8e siècle, avec l'invasion de l'islam et les Arabes, on s'est dispersé à travers toute l'histoire. On n'est pas resté longtemps
sur place pendant certains siècles pour pouvoir faire éclore de nouvelles civilisations. Ça, c'est un. Et puis après, il y a eu la colonisation, qui n'était que pas autre chose, mais la prolongation de l'esclavage sous une autre forme. Et pendant la colonisation, les colonisateurs détectent qu'il y a de richesses, de ressources, qu'il y a par exemple au Congo, qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Et ces ressources deviennent c'est notre malchance, c'est notre malheur. La source même, l'explication de nos malheurs, qui n'est pas la situation de tout le monde. Ce qui fait que chaque fois qu'un leadership, parce qu'on a le leadership, c'était un leader. Mais tout de suite, la réponse était mettre fin à sa propre existence. Et après, pour vous continuer, exactement, vous avez la même chose. Nous avons connu le leadership de Mobutu qui était très très fort. Mais, peut-être si on ne le sait pas, quand on s'est rendu compte, quand j'ai dit on sait qui, l'extérieur, parce qu'il y a un extérieur qui est à la base de l'esclavagisme, qui est à la base de la colonisation, qui est... Quand on s'est rendu compte qu'il y a un leadership fort... Oui, les ressources, et il fallait lui mettre des bâtons dans les roues de manière sérieuse. Et ces bâtons, par exemple, on prend quelques-uns de ses frères et sœurs pour les préparer à le trahir et lui envoyer des conseillers, comme on a fait à Haïti là-bas, lui envoyer des conseillers, mais qui viennent lui dire faites ceci, allez rompre les relations diplomatiques avec Israël, allez faites la réalisation. En réalité, ce sont de belles méthodes, mais en réalité, on voulait qu'il fasse ça pour ça allait un peu pour aller bouger un essaim d'abeilles et se faire tomber les abeilles là-dessus. Et les leadership, ils partent nulle part. Même le livre de Mabiga Kalanda dont j'ai parlé avec toutes ces idées, qui le continue aujourd'hui. Le leadership, il est là, il sort, mais on n'est pas en mesure, parce que, un, à l'intérieur, les bouleversements qu'il y a chez nous, nous n'avons pas une conclusion nationale, oui. et cette culture n'arrive pas à se mettre en place parce que nous perturbés. Il y a maintenant des générations même de Kuluna, des générations de Bilo, des générations des enfants de rue qui sont aujourd'hui des Kuluna, qui sont dans des institutions. Qui fait qu'il est difficile de pouvoir dire qu'un leadership qui tienne, parce que c'est la conséquence de ce que nous sommes culturels à l'intérieur et aussi voulu par l'extérieur. D'accord. Mes chers amis, quand on a dit ça, on a envie de faire quoi? Parce que là, on vient de démontrer une sorte d'impossibilité pour nous d'éclore. Après qu'on ait dit ça, la suite, c'est quoi? La suite, c'est qu'on se révolte. C'est qu'on se révolte contre cette façon de faire. De nous étouffer, oui. En fait, nous avons besoin d'un leadership fort. Or, on ne peut pas avoir un leadership fort si déjà les leaders ne connaissent pas le pays. C'est ça le problème. On ne peut pas développer un pays qu'on ne connaît pas. Vous savez, nous vivons en fait dans la myopie de l'urgence. On doit changer les outils de réflexion. On ne peut pas faire que subir le temps. Le leadership dont il parle, c'est un leadership de prévision et de direction. Nous devons cesser de vivre d'expédients. C'est-à-dire, on n'a aucune vision à court terme, à moyen terme, à long terme, pour dire que voilà, dans 5 ans, c'est qu'on va faire. Oui, au lieu d'aller dans des généralités, aujourd'hui, la priorité serait laquelle, par exemple? C'est pour vous. Hein, vous dites, il faut savoir où nous allons. Si vous étiez leader, vous nous conduisez vers où, prioritairement? Prioritairement, on doit d'abord changer la façon d'éduquer. D'abord. Ah oui. Ça dépend de l'éducation reçue. Si on forme les gens pour être commandeur d'emploi, on ne s'en sort pas. Deux, on doit miser sur l'évolution des PME. Mm-hmm. C'est-à-dire les investissements pas très gros, mais de proximité. Mm-hmm. Ensuite, créer une synergie avec ces PME pour aller vers de grandes choses. Trois, on ne peut pas développer un pays sans énergie. Mm-hmm. On ne peut pas faire qu'attendre Inga 3. On doit pouvoir faire des petites stations
de 2 mégawatts parsemés à travers le pays. Et avec ça, là où il y a de l'énergie, il y a de l'eau nécessairement, on peut retenir les gens sur place. Au lieu de faire venir tout le monde de l'intérieur vers Kinshasa pour poursuivre. D'accord. Et on y verrait déjà suffisamment clair, parce que du moment qu'on résout les problèmes de la faim, on peut réfléchir calmement sur autre chose. D'accord. Parce que vous avez touché l'école. Il faut fabriquer un autre Congolais. Je crois que j'ai interprété à vous. Ça, c'est important. Mais j'aimerais qu'on s'arrête un peu là-dedans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on chamboule toute la formation telle qu'elle nous a été inculquée. On en choisit une autre en sachant quel Congolais nous voulons créer. Ou bien on fait comment? Nécessairement, c'est-à-dire que nous voulons être grands, comme vous avez dit, oui. Tout le monde veut être PDG. Mmh. Mais on ne peut pas faire de l'argent sans se salir la main. Mmh. L'essence du sacrifice, il faut, pour arriver à la signature, il faut connaître ce qu'il y a en dessous de la signature. Très bien. Donc, commençons par des études qui valent la peine d'être faites pour un pays chantier. Mmh. Aujourd'hui, quand vous produisez un diplômé d'État, qu'est-ce qu'il peut faire sur le marché? En tout cas, pas écrire une lettre. Parce que nous avons été enseignés par les PP4 qui avaient déjà plus de valeur que nos gradués d'aujourd'hui. Donc, quand quelqu'un vient de finir en 6e année littéraire, qu'est-ce qu'il fait? C'est-à-dire, on est en RDC, vous bloquez les gens parce qu'ils n'ont pas réussi en latin. Bon, ok, mais concrètement, ils représentent quoi? Nous devons avoir ce genre de réflexion sur notre enseignement. Vous vous rappellerez qu'il y a eu des livres hérités de la colonisation, comme le Au gré des vagues. Nous tous, on était avec des exemples européens. Il a suffi qu'on, Mobutu rappelle les gens à l'ordre, on a fait avec le professeur Moudimbe, les structures fondamentales, c'était adapté à notre façon de voir. Et il n'y a pas que ça, même dans notre façon de commercer. Nous devons, je crois, quitter la mentalité du colonisateur qui était de exploiter, emballer, exporter. Nous devons commencer à avoir des modèles aujourd'hui de l'industrialisation par substitution aux importations. D'accord, je vous... qui sont conformes à notre façon de voir. Industrialiser ici pour promouvoir les exportations. Mais si on reste dans le même modèle, ça ne sort pas. Modeste, à moins que vous ayez une autre originalité, est-ce qu'on ne peut pas creuser cette affaire de l'école? Parce qu'il faudrait quand même que nous sachions quels enfants nous allons former, quels Congolais nous allons former. Si c'est des Congolais qui ont beaucoup de mines, mais il n'y a pas d'école de mines, là on marche sur nos têtes, non? Oui, tout à fait. Mais en fait, lorsque nous parlons de par où commencer, là déjà nous faisons fausse route. Parce que il y a tous les problèmes qui se posent en même temps. Et on ne peut pas dire, bon, on attaque d'abord ça. Par exemple, l'école. Mmh. L'école, il y a un coût, un vrai coût pour une formation convenable. Là, maintenant, on va se retrouver avec des moyens très, très faibles. On ne saura pas y faire face. Donc, je crois qu'il y a lieu de se dire qu'il y a plusieurs défis à relever à la fois. Avec quels moyens? Et voilà. Et c'est donc à ce moment-là qu'on va se rendre compte que ces chemins faisants, parce qu'il faut d'abord transformer cet homme-là. Et cette transformation ne doit pas s'inscrire dans la durée. Mm-hmm. Parce que nous parlions de rupture. Mm-hmm. Il s'agit de rompre avec un ordre existant qui est mauvais pour entrer dans un autre qui, lui, transforme l'homme à partir du moment où vous commencez la rupture. Mm-hmm. Et donc cet homme-là, qui rejoint ce que Mabika Kalanda nous invitait à faire, c'est cet homme-là qui se transforme chemin faisant, qui va relever les différents défis aussi qui se posent à nous. Parce que nos ennemis sont à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. L'un des ennemis à l'intérieur, c'est par exemple le tribalisme. C'est un ennemi redoutable que nous devons combattre et vaincre si nous voulons construire une nation solide qui repose sur ses pieds. Donc il y a toutes ces choses qu'il faut attaquer en même temps. Donc tout est prioritaire. Tout est prioritaire, c'est pour cela que cet homme-là qui va s'y attaquer, c'est celui-là qu'il faut d'abord commencer par reformater, de manière à ce qu'effectivement il
perçoivent que l'urgence est celle-là, on s'attaque à tout, mais avec un homme transformé. Monsieur Simon, le travail est énorme. Hein? Si oui, si tout est prioritaire. Tout est prioritaire, mais moi, pour moi, la priorité, c'est l'efficacité de l'État. Parce qu'il faut un État efficace pour s'attaquer à tous ces problèmes-là. Pour s'attaquer à l'éducation, je ne pense même pas que ce soit l'enseignement, l'éducation au niveau de l'instruction et de l'enseignement qui soit prioritaire. Pour moi, la première urgence, c'est la famille. Parce que la vraie éducation commence là. C'est là d'où nous venons, depuis l'enfance. Des familles stables, des familles responsables. Ce sont ces familles-là qui commencent à formater les enfants qui vont aller à l'école, qui vont alors être formés, instruits. Et pour ça, il faut un État fort. Il faut un État efficace. C'est là où le leadership est pour moi le préalable. Parce que c'est un leadership qui organise un État efficace. Pour moi, je trouve tout le passé que mon frère Achimba a évoqué ici, c'est bon, esclavagisme, colonisation. Mais nous sommes 60 ans après aujourd'hui. Nous sommes 60 ans après. Nous avons pris des exemples qui étaient assez éloignés. Mais nous avons le Ghana qui a commencé des programmes de réforme en même temps que nous. Ils ont eu 4 présidents qui ont quitté le pouvoir normalement avec Jerry Lewis et les autres ont suivi et ils ont commencé à redresser leur pays jusqu'à arrêter la coopération avec le Fonds monétaire et on les voit aller au stade à 4 dans la convivialité. Belle photo. Belle photo, sans problème. Il y a le Botswana qui est un exemple de pays qui est parvenu à lutter contre la corruption, à organiser son éducation. C'est l'État qui est la première... Les premiers paramètres. Est-ce que le Botswana n'est pas un mauvais exemple? Parce que le Botswana, les autres sont partis en croyant qu'ils ont laissé un bout de terre rocailleux. C'est après qu'ils ont découvert le diamant. Possible, mais je doute que ces gens-là, vraiment avec tout ce qu'ils avaient comme technique, n'est pas peut-être qu'il était trop coûteux à exploiter à ce moment-là. Parce qu'aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, on arrive à exploiter des minéraux qui, à l'époque, n'était pas rentable. Mais même en nous limitant à l'exemple du Ghana, c'est déjà un modèle pour voir que même des pays qui sont partis des mêmes conditions, en ayant un leadership responsable et transformationnel, on peut faire les choses autrement et bâtir un pays qui soit prospère pour tous. Achimba. Jean-Pierre, je dis que oui, on peut s'en sortir, mais la tâche est colossale. Il ne faut pas craindre, il ne faut pas... On ne peut pas... Je dis ceci, je commence par ce que mon ami Mbosso Simon a donné comme exemple. C'est Simon Mbosso, hein? C'est d'abord le prénom. Non, ce n'est pas notre histoire. Moi, c'est Mbosso. Alors, parce que le reste, là, c'est pas... ça ne rime pas avec mon authenticité. C'est prénom. Mais moi, je voulais surtout dire ceci que... Comme on a discuté, malheureusement, c'était en dehors quand on s'est préparé. Nous avons donné justement l'exemple du Ghana et du Botswana pour dire que il faut quand même dire qu'en Afrique, nous avons l'Afrique blanche au-dessus, là, arabe et tout ça. Nous avons l'Afrique noire divisée en anciennes colonies britanniques et franco-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 fran
Alors, notre constitution, même la dernière ici, elle n'a pas été rédigée par les Congolais. Nos programmes d'enseignement primaire, secondaire, universitaire, c'est jamais rédigé par les Congolais. J'en sais quelque chose parce que j'appartiens à l'éducation. C'est moi le travail que j'ai appris à faire. Et tout ça, quand vous laissez tout ça dans les mains des étrangers, ce n'est plus l'esclavagisme et la colonisation. Jean-Pierre, ce n'est plus l'esclavagisme et la colonisation. Mais notre programme d'enseignement jusqu'aujourd'hui, notre constitution, nos programmes d'enseignement dans lesquels on n'apprend aucune langue congolaise dedans, il n'y a aucun chapitre d'histoire. J'ai vu encore à la télévision, parce qu'on montre, on doit faire le cours hein, à la télévision un peu comment. J'ai vu là qu'on enseignait encore, je ne sais pas, Bonaparte, et on enseignait, je ne sais pas, des histoires de France, de la Belgique. Aujourd'hui, vous n'avez aucune religion à vous. Vous n'avez aucune religion à vous et on nous amène des trucs de nègres spirituels qui viennent de l'Amérique ici. Chacun est pasteur, je sais que toi aussi tu es pasteur. Et ça ne ressemble à aucune religion structurée des Congolais. Il n'y a aucune histoire des Congolais. Il n'y a aucune langue des Congolais enseignée à l'école, pas le programme. Ce n'est pas vous qui le faites. Votre constitution, ce n'est pas vous qui l'avez rédigée. Et à partir de quel moment vous allez vous en sortir, mon ami? Et vous l'avez déjà répondu, et c'est là que je vais chuter. Le Ghana, le Botswana, on a laissé comme ça. Mais ici, à part ses ennemis, j'ai dit, nos ressources que nous avons. Les autres pays, là, quand il n'y a pas de ressources, qui regarde tellement dessus? Rien. Mais ici, avec les ressources qu'il y a, avant même que vous soyez soi-disant indépendant en 45-18, conclusion. Et tout l'uranium, c'est l'Amérique qui doit diriger à tous les choses. Tout le justement, mon cher, on a dit que le mal était aussi congolais en nous. Donc, il est temps que nous puissions balayer tout cela devant nous. Ah, ouais, vous allez balayer pour dire que non, les gisements de l'uranium, c'est toi qui le gères. Ben alors, on va faire quoi? Mais renseigne-toi, il y en a qui l'ont fait. Où est-ce qu'ils en sont? Maître, toi qui as provoqué l'histoire de l'enseignement, et je suis d'accord avec toi, justement, il faut formater cet homme congolais qui va quand même résister à toutes ces sollicitations. C'est quand même son pays, non? Ben justement, je suis tout à fait d'accord. Quand il parle de la famille, d'accord, parce qu'on ne peut pas formater un homme nouveau sans la famille. Il faut commencer à la base, nécessairement. Maintenant, pour prendre de là où on s'est arrêté, mais vous savez, un critère pour reconnaître qu'un pays est au bord de l'effondrement, c'est ça, c'est quand les hommes politiques sont plus riches que les hommes d'affaires. Là, vous savez que ce pays va s'effondrer dans très peu de temps. C'est-à-dire, cette peur-là du bien commun n'existe plus. Nous avons, quand je parle de la connaissance du pays... Là vous paraphrasez un peu l'ancien président de Côte d'Ivoire. Oui, mais parce que... Comment les hommes politiques... Si vous voulez devenir riche, il ne faut pas faire la politique. Forcément. On doit se poser des questions. On ne connaît pas le pays. C'est pour ça qu'on va chercher ailleurs ce qu'il y a ici. Même l'exemple le plus mauvais, les Wewa par exemple, on peut faire une force économique. Au lieu de les utiliser seulement dans la politique, les Wewa, si ils nous payent ici $30 de taxes ou d'impôts par mois, nous en avons 200 000 à Kinshasa. Mais ça suffit pour reconstruire toutes les routes de Kinshasa. Une année après, on aura fait quelque chose. Pour prendre des exemples terre à terre, la mangue qu'il y a dans toutes les parcelles de Kinshasa, pour dire que la tâche n'est pas aussi énorme qu'elle paraît, si on y met de la volonté politique, avec des petites usines de $100 000, on peut faire du jus de mangue ici au lieu de prendre les jus de mangue de l'Afrique du Sud. Nous avons même importé la tomate de la Libye. Vraiment, si les ridicules ne tuent pas. Même pour faire ça... Vous voulez qu'il y ait une aide internationale? Alors qu'à Fungurume et ailleurs, c'est pas de la tomate qui mange. Oui, c'est pas. Donc, connaissons le pays. Il y en a qui vont voir la neige en Europe. Mais au Nord-Kivu, il y a de la neige.
Donc, il suffit de connaître, de nous vendre d'abord à nous-mêmes notre pays. De savoir que quand on a besoin de l'OTAN, c'est permanent au sud de Kivu. Connaître, alors... Vous avez raison, parce que pour développer ce pays, il faut l'aimer. Et pour l'aimer, il n'y a qu'à se promener. Mais pour se promener, on a besoin d'argent. Enfin... Non, pas nécessairement. Pour aller au Congo central, on a besoin de 10 000 francs. Et on connaît. Voyez ce qui est fait au Congo central. C'est-à-dire, devant la maison, on met les ndembi, et derrière la maison, c'est la brousse. Et on attend tout de Kinshasa. Est-ce que c'est normal? Non. C'est-à-dire qu'il suffit que juste ces gens-là retournent la façon de voir. Au lieu de regarder devant la parcelle, qu'ils regardent ce qu'il y a derrière. D'accord. Bonne Gaba. Oui, je crois que notre ami Simon a bien fait de nous ramener au rôle central de l'État dans un cas comme le nôtre. Parce qu'effectivement, il faut un État savant. Un État qui a une vision d'ensemble, une vision de manager du destin collectif. Or, cet État-là, on ne peut pas l'avoir si on n'a pas des citoyens exigeants. Des citoyens qui savent que c'est eux l'État. Parce qu'en réalité, c'est ça. C'est eux l'État. Et donc, ils ne peuvent plus se permettre de placer à la tête des différents organes et des différentes institutions des gens qu'on a croisés au coin de la rue, qui n'a aucun profil pour occuper tel ou tel poste. Vous voyez donc l'organisation que cela implique, pour que seuls ceux qui sont effectivement aptes, qui ont le profil pour porter cet idéal, cette ambition, soient ceux-là qui émergent. Oui, or, nous sommes dans un système... Ce... Ah, voilà. Nous sommes dans un système, comme l'a dit Achimba, bon, la Constitution, la matrice de la Constitution vient d'ailleurs. Parce qu'eux, ils savent ce qu'ils veulent produire avec ça. Vous en avez des preuves? Si nous voulons forger ces citoyens nouveaux, nous devons nous demander comment on fait pour que, effectivement, seuls les meilleurs d'entre nous puissent émerger. Il faut l'école à ce moment-là. À chaque coup. Non. Mais oui, mais l'école de la famille. Si beau parler de la famille. Mais parce que nous sommes en train de parler de rupture. Mm-hmm. On ne peut pas à la fois parler de rupture et dire l'école, parce que l'école, il faudra du temps pour former. Oh, la rupture, elle est brutale. Il faut dire qu'à partir d'aujourd'hui, on change de paradigme. On ne peut plus continuer à chercher à bricoler avec ce qui existe pour dire, bon, comment on améliore un peu. Non, il faut considérer que cet état-là, on ne l'aura jamais si on continue à faire du bricolage comme on le fait maintenant. Et qu'il faut donc trancher dans le vif pour faire ressortir ces citoyens nouveaux, tellement exigeants, qu'ils ne vont plus accepter ce que nous sommes en train de subir ici. Donc c'est ça le travail qu'il faut faire. Oui, mais parce que maintenant, tout le monde veut faire de la politique, dans la rue, crier et tout ça. En fait, rien n'intéresse plus le Congolais, sinon parler politique. C'est assez curieux, hein. Mais parce que la politique est devenue la seule avenue de prospérité. C'est ça, il faut mettre fin à ça. C'est pour ça que moi je reviens. Merci à mon ami d'avoir enchéri sur l'efficacité de l'État. Nous avons à côté de nous ici l'Angola. Et le Congo-Brazzaville, je crois, la Zambie, nous avons quatre, parmi les 9 voisins, il y en a 4 qui sont déjà des pays à revenus intermédiaires. Ils ont moins de ressources naturelles que nous. L'Angola, j'ai fait la ronde de toutes les frontières de l'Angola avec le Congo central, où j'y suis allé travailler les 4 dernières années. Regardez la perte de l'autorité de l'État dans ce pays, c'est très grave. À la frontière avec l'Angola, il y a 2 agents. Lui, il est obligé du commerce extérieur, je crois, il ne va pas me contredire. Au Rwanda, il y a 1 agent. Immigration, douane. Tu passes, tu as tes papiers, immigration, tu montes, c'est bon, tu vas à la douane, tu déclares ce qu'il y a, bordereau de la banque, tu verses l'argent. Chez nous, il y en a 20, il y en a 30. Chef de l'État signé un décret, 4 services aux frontières. Personne n'est capable de l'appliquer.
personne. Partout, on traite les citoyens et l'homme d'affaires comme une proie hein, qu'il faut dépouiller quand il arrive là. Chacun doit tirer son morceau. Et tant qu'il n'y a pas un État autoritaire, efficace, du point de vue légal, qui sait appliquer ses lois, même la Constitution, quelle qu'elle soit, si des gens pouvaient l'appliquer telle qu'elle est, mais il faut... Mais nous en parlons, M. Mbosso. Mais comment revenir à la chicotte moi je suis parti du fait de ceux qui ont réussi. Pourquoi les autres, les chefs d'État angolais, pour faire, il a enfermé les enfants de Santos en prison. Et les gens ont compris qu'on ne blague plus. Avec, je suis allé, j'étais ministre avec Olivier. Nous sommes allés en Angola. Délégation officielle. Personne n'entre sur les tarmacs. Personne. Vous allez jusqu'à l'aéroport. Ici, vous êtes. Dans l'avion, vous voyez l'aéroport envahi. Je crois que vous avez déjà vu ça. Comment donc? Mais pourquoi? Il n'y a personne qui peut arrêter ça. On a besoin, et là aussi, ce sont les colonialistes qui viennent nous empêcher d'appliquer nos propres lois. Non, moi je crois qu'à un moment donné, nous devons dire ça suffit. Ce qu'il a dit. Mais il y a un État responsable qui applique les lois à tous. À ce moment-là, nous pouvons commencer à sortir la tête. Sinon, nous allons toujours rester un mur de lamentation. Moi, en riant, j'ai toujours dit qu'en fait, dans Kinshasa, au Congo, on se connaît tellement bien que ça ne peut pas marcher. Je verrais quelqu'un, non, c'est le fils de Simon, non, le Botikaye, je ne sais pas. Comment traduire ça dans les faits? Bon, attendons l'Esprit Saint. Oui, je voudrais... de nouveau recadrer. Oui, pour dire que je vais citer ce que le président Mobutu disait souvent, il n'est pas facile d'être le Zaïre et donc il est facile d'être la Zambie, il est facile d'être l'Angola mais pas facile d'être le Congo, le Zaïre. Trop de pour quelle raison? Parce que vous voyez tous les Angolais. Bah, pas tous, c'est peut-être pas, c'est trop dire. Jusqu'à concurrence, peut-être de 40 ou 50%. Et clique ici au Congo, au Zaïre. Et dans le bas Congo, là-bas, des villages entiers, ils étaient là. Quand il y a eu la guerre là-bas. La guerre parce que eux, les systèmes coloniaux portugais étaient l'intégration. Mettre tout le monde ensemble et supprimer la race noire pour avoir beaucoup de métis, tout ça. Ils ont pris conscience de ça depuis longtemps et tous ils ont regardé dans la même direction et beaucoup ont été ici pour être scolarisés et partir là-bas, être mis dans un moulin. La situation n'est pas la même. Alors ici, je voudrais quand même dire une chose, que nous connaissons la désintégration de la société, the collapse country, parce que c'est le terme pendant les années 90 là. J'entendais dans les milieux des Américains, ils appelaient le Zaïre là, de collapse country, un pays désintégré. Donc la désintégration du Congo ne commence pas aujourd'hui. C'est ça le problème, un pays désintégré. À partir du noyau, jusque dans la culture et la société elle-même. En un mot, en fait, ce que vous voulez dire, c'est que nous sommes tellement riches que nous sommes... Oui, c'est différent de ce autre cas. Mais je dis quand même, je voudrais quand même rejoindre pour une fois notre ami Mbosso pour lui dire que cela est faisable. Mais à quelles conditions? C'est parce que j'ai commencé par démontrer d'abord toute la difficulté qu'on a. Bon, cela est faisable. Cela est faisable, mais à quelles conditions? Il faut effectivement un État. Et cet État doit être très fort, qui doit mettre en place la famille, qui doit protéger la famille, l'école et le travail. C'est trois éléments. Évidemment, la santé va... Mais cet État très fort, ce n'est pas par les théories de leadership qui viennent de l'Occident, non. C'est cet État-là fort. Vous savez que du temps de Mobutu, on a connu quand même un État fort. Trop de parenthèses, oui. Très fort. Il faut, à la manière traditionnelle, je connais, c'est l'État de Bangunza.
je ne sais pas traduire ça. Les Bangouza, je ne sais pas traduire ça en français. Les Bangouza, ce sont des gens dans la société qui disent que non, ça en est trop, on est allé trop loin. Ils sont 4 et 7 comme nous sommes là. Advienne que pourra. Nous voulons fendre notre chemin dans le roc et nous y allons. C'est qu'on rencontre, nous allons rencontrer. Donc une révolution sanglante. Enfin, ça, pas nécessairement une révolution sanglante. Mais on dit, on y va. D'accord. Ce sont ces gens-là. J'avais donné une fois. On n'a plus beaucoup de temps. J'allais donner un rapidement autre alors. Du passé. Mmh. Rapidement. J'ai dit, Israël était en esclavage. Là, ça va être long. Là, ça va être long. En Babylone. Ouais, ouais, ouais. Okay. Bon, la prochaine fois. Oui, rapidement, maître Magala. Oui, État fort, tout à fait d'accord. Sur les principes, du moins, on s'est mis d'accord. Mais ça passe par quoi? Ça passe par se réunir autour des idées, pas autour des hommes. C'est-à-dire, quand vous prenez des grandes plateformes politiques qui n'ont aucune idéologie en commun, ils n'ont qu'une personne qui les réunit. Donc, on en arrive à faire un gouvernement de 64 membres, dont chacun a sa façon de voir les choses, mais on ne peut pas s'en sortir. Quelle est l'idéologie? Comme on vient de le dire ici, comment nous en sortir? Oui. Quelle est la vision? Oui. Mais il n'y a pas. Laquelle? Proposer quelque chose concrètement. Bon, vous venez de donner l'exemple de notre gouvernement. Alors, la solution que vous pouvez proposer, ce serait laquelle? La solution, d'abord, parce qu'il nous faut un État fort. Mmh. Ok. On l'attendra. De se réunir autour d'une idée, faire sortir le pays de ce marasme. Avec quels objectifs? Un, comme on vient de dire, la famille. Deux, l'éducation. Trois, le travail. Mettre tout le monde au travail. Pour mettre tout le monde au travail, qu'est-ce qu'il faut? Que chacun travaille dans les secteurs qu'il maîtrise et que les résultats soient protégés. On ne peut pas travailler et que les résultats du travail soient pris par quelqu'un d'autre qui, du reste, ne sera pas puni. Mm-hmm. Là, on va rentrer à la case départ. Donc, que le résultat de chacun, il puisse en bénéficier et que le reste aille chez l'État. Là, on peut s'en sortir. D'accord. Oui, peut-être devrions-nous revenir à la définition même de l'État. Mm-hmm. Par ses éléments constitutifs. Oui, la population. On parle de la population, du territoire et d'une certaine organisation. Il faut que ce soit une organisation certaine. Alors que, en réalité, l'élément pivot là-dedans, c'est c'est pas la population, le peuple. C'est le peuple qui, après avoir fait le tour du propriétaire du voiture, parce que nous, justement, on va dire non, on va nous attaquer avec tout ce que nous avons ici. Comment on s'organise pour qu'on ne nous attaque pas? Voilà. Donc, si on revient à ces fondamentaux-là, pour dire, bon, nous, propriétaires du Congo, nous savons que la convoitise, ça vient de partout. Mais c'est normal. Vous voulez que les gens... vous regardez comme ça, alors vous n'êtes même pas conscient d'être propriétaire, vous n'avez pris aucune mesure pour montrer qu'effectivement, ici, on ne joue pas. Et puis, vous voulez qu'eux aussi se disent, bon, ils sont chez eux, nous, on ne fait rien. Non, c'est parce que, justement, comme dit l'adage, la nature a horreur du vide. C'est parce que nous n'avons pas su créer, à l'intérieur de cet espace qui est notre pays, une organisation qui montre au reste du monde qu'ici, on ne vient pas, on ne blague pas. D'accord. On va vers la conclusion. On conclut là. Moi, je suis heureux que nous soyons tous mis d'accord sur la nécessité d'un État fort. Un État de force, c'est un État de droit, où la loi est au-dessus de tous et où il y a une société civile forte aussi, qui est un contre-pouvoir, qui ne laisse pas passer n'importe quel comportement et qui forme la population pour arriver à ce que Modeste veut là. Cette population-là, il faut qu'il y ait un leadership. Il y a le leadership peut-être au niveau du sommet, mais le leadership éclaté au niveau des communautés qui peut encadrer les gens pour leur faire. La presse, tous ces contre-pouvoirs qui doivent dénoncer le mal, éduquer dans le sens du bien. Moi, je prends juste un petit exemple. Quand nous montions à la Cour des comptes, j'aime beaucoup le système britannique. Ils ne font pas... La Cour des comptes, ce n'est pas une juridiction, on envoie les gens en jugement, mais quand ils ont fait leur rapport, ils les publient, la grande presse, le Daily Mirror. Quand on a publié la mauvaise gestion d'un mandataire, il est mort, civilement mort.
on va plus l'appeler preso, comme ici chez nous, là, hein, roulant dans grosse carrosse en train de frimer. Et ça, c'est important qu'on arrive à ça. Merci. C'est vous qui avez commencé, vous allez terminer, mais vraiment par une petite phrase. Les lois, nous les avons. Les textes, nous les avons. Il est là, le peuple congolais. Plus de 80 millions de têtes. Et les diplômes de tout genre, on les a. Qu'est-ce qu'il faut? Ce qu'il faut, on a besoin des hommes et des femmes décidés à s'oublier soi-même pour conduire les autres. C'est-à-dire, à partir du moment où c'est lui qui doit faire quelque chose, il doit lui-même devenir riche et avoir ceci. Ça ne sert à rien que ça. Ok. Vous promettez, M. Mbosso, que vous viendrez la semaine prochaine pour qu'on puisse... Oui, le sujet est en fait, pas la semaine prochaine, mais l'autre semaine. L'autre semaine. Parce que ce débat est intéressant. Il faut que vraiment nous commencions à... C'est le moment de regarder ce pays. Il est vital. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ce pays est vraiment béni des dieux. Si nous mettons nos idées ensemble, si nous nous entendons, si nous parlons le même langage, si nous essayons de cultiver un État fort et que nous puissions nous organiser à l'intérieur, tout le monde aura à manger, tout le monde sera bien et se sentira bien dans ce pays. Nous qui l'avons visité de part en part, nous pouvons vous le dire. Souhaitons bonne chance à ce pays et engageons-nous à le rendre toujours plus fort et nous serons heureux. Bonsoir et à l'émission prochaine.